300 meter, hè? Ja, 300. 300? Avant, changeons d'ailleurs, puisque tout à l'heure il était favorable à l'arrivée, puis ici, eh bien, ils l'auront. De gauche. Voilà, rectification. 168 Nissan Grand, Sophie Langford. Ok. Lucy Harper. Gemma Sargent. Lucy Schittenberg. De Sarah Olsen de la France et bien sûr retour à la deuxième position de ce reste de la France et 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 de la
derniers kilomètres qu'elles vont devoir entreprendre maintenant. La moyenne l'année passée était de 39 km. 39 km/h. Et ici, bien, ça va aller certainement très vite dans le dernier circuit local. Avec le vent qui aura été omniprésent et qui aura. Voilà, ça va donc partir de très très loin et ça va se terminer au sprint, comme on l'avait dit, avec un très très avantage, très très léger avantage qu'il parvient à garder. Blanzini. Avec la victoire du numéro 13, ça lui aura porté bonheur aujourd'hui et c'est pas la première fois qu'elle s'impose d'ailleurs ici à Dottini. Victoire de Giorgia Bronzini de sa numéro 13, un chiffre porte-bonheur pour Bronzini. Et Blanzini avec deuxième Bartanelli, deuxième. Et qui s'impose donc. Avec un final qui finalement n'était pas parvenu à être imposé ici à Dottini. Elle remporte donc tandis que Rossine Fournier l'année dernière était sur la première marche de la journée du jeu. Marta Bastianelli pour la formation à Alex Cipollini. Giorgia Bronzini sur la première marche aujourd'hui et Rossine Fournier pour le stop. Voilà, on peut encore les appuyer sur le moyen. Ah, ça mitraille, hein. Oh, you are.